Hey tout le monde, c'est Soustéphane, bienvenue pour ma nouvelle vidéo découverte d'un nouveau jeu qui est sorti hier, donc sur les consoles, mais de base qui est sorti sur PC il y a quelques années, 2015-2016, et donc ce jeu ça se nomme Portal Knight. Donc moi personnellement je joue sur la One, et donc pourquoi j'ai décidé de vous faire une petite vidéo découverte. Déjà j'ai trouvé que ça a l'air, enfin j'ai trouvé que c'est un jeu qui a l'air vraiment sympathique à faire, que ce soit en solo ou en coop. Et de plus pour ceux qui aiment Minecraft, pardon, c'est un univers qui lui ressemble. Donc voilà, je pense que ça peut attirer pas mal de personnes. Donc c'est parti. Juste avant, je vais essayer de baisser un peu le son du jeu si je peux. Voilà, tac. Donc je vais baisser le son. Voilà. Donc pour que vous puissiez m'entendre un petit peu mieux. Voilà. Je vais mettre comme ça, on va confirmer tout ça. Voilà. Tac. Donc c'est parti, on va démarrer tout de suite. Donc là, il y a un personnage, mais c'est normal, c'est parce qu'il y a, mon frère qui a joué. Moi, je vais prendre un mâle. Donc on a le choix entre soit guerrier, donc le guerrier manie l'épée et la hache pour vaincre ses ennemis au combat rapproché. Le guerrier peut aussi utiliser des cris puissants pour redonner des forces à ses coéquipiers et affaiblir ses adversaires. Principaux attributs, constitution augmente pouvoir de santé, force augmente dégâts de mêlée. Donc ça, c'est un petit peu le résumé du guerrier en gros, avec ses points forts. Donc ensuite, nous avons le rôdeur, la classe que je veux prendre. Parce que voilà, les rôdeurs, chasseurs, personnellement, c'est mes jeux préférés dans les RPG, MMORPG, etc. Dans tout type de jeu de toute façon. Donc le rôdeur utilise un arc pour vaincre ses adversaires à distance. Il peut aussi lancer des bombes pour détruire des blocs aussi bien que des adversaires. Principaux attributs, donc agilité, bien sûr, augmente vitesse de déplacement. C'est logique, dextérité et augmente des dégâts à distance. Et nous avons enfin la troisième classe qui est le mage. Le mage utilise des baguettes et des bâtons magiques pour vaincre ses adversaires et ainsi accès à une variété de sorts puissants. Donc, ce qui est logique, principaux attributs, la sagesse augmente de points de mana, l'intelligence augmente de dégâts magiques. Donc, moi, comme je vous ai dit, je vais partir sur un rôdeur. Donc c'est parti. Donc vous pouvez le personnaliser. Donc là c'est les cheveux. Donc je trouve qu'il y a des coiffures assez drôles, assez sympathiques. Donc il y a des coiffures moches aussi hein. Bon, comme dans tous les jeux pardon. Donc et puis j'ai envie de dire les goûts, les couleurs, voilà quoi, ça se discute pas. La pictouf. Ok, non, moi je vais. Non. Non plus, non, non, non. Donc je tiens à préciser, moi j'ai pas encore joué au jeu, c'est la première fois que j'y joue. Donc voilà, je découvre en même temps avec vous. Donc est-ce que je vais lui mettre une barbe? Non, non. Non. Non, ça fait un peu trop la fouine. Désolé, mais j'ai mon frère juste à côté de moi, il est en train de se péter une barre. Oui, parce qu'il y a mon frère avec moi. Je pense que je vais prendre. Je vais prendre celle-là, tiens, pour délirer. Couleur. J'aime bien celle-là. Ouais, pourquoi pas. Non, celle-là elle est mieux. Donc, vous voyez, vous pouvez mettre du bleu, du rouge, toutes les couleurs, quoi. Ensuite, oreille. Donc, ah, on peut mettre des piercings. Sympa.
Un os, l'autre. Ok. Ok. Non, j'aime bien, voilà. Ok, on va continuer. Forme des yeux. Ah, lui, il est méga vénère. Oh, lui, on dirait Gaara dans Naruto. Tout content, lui. Donc, ben, j'espère que cette vidéo découverte vous plaira. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Ouais, je vais mettre cela, tiens. Alors. Allez, on va les mettre les yeux gris comme ça. Et la bouche. On va laisser la première. Voilà. Et la voix. D'accord, en plus, ils peuvent parler. Pourquoi on n'entend rien? Bon bah je sais pas pourquoi j'entends pas. Bon bah c'est tout, c'est pas grave. Allez, on continue. Donc nom du personnage. Hein. Ça c'est pas un mystère. Je vais mettre sous tes fans. Le pseudo de ma chaîne. Voilà, donc c'est parti, on va faire démarrer. Univers 1, petite pour commencer. Donc c'est juste une vidéo de découverte pour découvrir. Avec vous le jeu. Il fut un temps oublié aujourd'hui où le monde était un et en paix. Mais vint la facture qui brisa l'unité du monde. Ça fait un peu comme Zelda, j'aime bien. Les portails anciens sont désormais le seul lien contre les différentes terres. Évadite créature florissante dans les ténèbres, en gardant l'accès. Le monde a besoin de héros capables de faire resplendir à nouveau la lumière des portails. Ah, j'ai pas eu le temps! Donc aussi, je voulais vous dire aussi, si le jeu me plaît, je dis bien, si le jeu me plaît, je vous invite à me répondre si vous êtes intéressé de faire un let's play avec mon frère sur ce jeu. Donc ça sera en coopération. Donc on sera chacun sur notre console. Voilà. Donc je ferai un petit sondage. Donc si vous êtes intéressé, ben, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires ou dans le petit sondage que je vais créer. Donc alors, donc voilà, cela se présente comme ceci. Donc vous voyez, ça fait un peu comme Minecraft. Donc vous avez votre personnage que vous pouvez déplacer. Vous pouvez changer la caméra, pardon. Donc vous voyez, au-dessus, nous avons les cœurs, donc c'est les vies, donc comme dans Zelda, et la barre de mana en bleu. Donc et en dessous, c'est vos quêtes, on va dire. Donc là, c'est la base. Ouvrez le sac à dos, à dos au moyen, d'accord, Y. Donc Y, voilà. Donc voilà, là, ça nous explique un petit peu. Ouais, je rapide, ok. Retourner à la zone d'atterrissage. Ok. Tâche accomplie. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Ouvrir, utiliser pour passer au mode de caméra. Ah, c'est pas ça. Voilà, c'est ça. Donc voilà, vous pouvez, bah, comme Minecraft, hein, de toute façon, hein, c'est le même style. Voilà, mais moi personnellement, je préfère cette vue-là. Donc hop. Et donc ensuite, là, on doit certainement s'équiper des potions de soins, j'imagine. Hop, non, alors attendez.
c'était ok, donc là en gros c'est attendez, alors on va regarder, donc on va retourner au début. Donc là on a tout ce qui est attributs, donc pour le rôdeur, donc vous pouvez les améliorer pour vous améliorer en attributs. Donc vous voyez là au-dessus chez niveau 1 avec une barre d'expérience à remplir. Donc quand vous remplissez cette barre, vous passez au niveau 2, ce qui est logique, et vous obtenez des points d'attribut. Et là, alors, vous pouvez augmenter votre sagesse, intelligence, dextérité, agilité, force et constitution, je crois. Ça doit être ça. Donc, c'est la santé. Donc là, nous avons les talents. Donc, les talents, ça sera des à force. Donc, vous voyez. À gauche de l'écran, il y a marqué un 2 avec un cadenas. Donc en gros, ça veut dire pour débloquer ces trois talents-là, il faut passer au niveau 2, après 5 et 10 et 1 et 1, 2, 6 suite. Voilà. Donc on continue. Donc là, nous avons votre personnage, comme dans un MMORPG, hein, de toute façon. Donc vous avez votre armure, donc la tête, le torse, le bras, les jambes, la cape. Et un anneau. Donc vous pourrez vous équiper, en fabriquer et peut-être en trouver, je sais pas. Donc là, je trouve ça vachement cool. Vous pouvez posséder un animal qui vous accompagne avec vous. Franchement, je trouve ça juste stylé. Et donc là, les objets décoratifs, donc de la tête, je pense que en fait, c'est par exemple, vous voyez, là, par exemple, vous avez la tête. Donc ça sera par exemple vous mettez un casque, vous voyez, et je pense que là si vous mettez par exemple autre chose, bon qui est pas forcément plus puissant au niveau des stats par rapport au casque que vous aurez mis, mais peut-être beaucoup plus beau et que vous préférez à mettre. Donc en gros vous pourrez être de vous équiper du casque, mais en décoration mettre peut-être le bonnet par exemple. Enfin je dis ça, je sais pas du tout, hein. Donc là, on a notre inventaire comme dans Minecraft, donc un arc, des blocs, potions, etc. Donc là, apparemment, c'est ce qu'on peut fabriquer, divers objets, j'ai envie de dire. Donc, nous avons des blocs, ingrédients, pierres de portail. Donc, nous avons pierre bleue, jaune, vert et rouge. Atelier de meubles, apparemment qu'on peut construire des ateliers, etc. Là, on peut construire apparemment une pioche en pierre, une pierre à aiguiser, donc des objets. Mais je pense que à force d'avancer dans l'aventure, vous pourrez en débloquer d'autres. Donc là, ce sont les armes, les armures, les compétences, les consommables. Donc, à mon avis, comme vous pouvez le voir, c'est les potions qu'on pourra fabriquer dans l'histoire, potion de mana, rapidité, etc. Et là, c'est divers objets, comme j'avais dit, cheminée, torche, etc. Donc là, qu'est-ce que je devais faire? Donc, on va essayer de quitter. Alors, attaquer un ennemi avec votre arme en utilisant RT, d'accord, en appuyant sur L pour verrouiller l'ennemi à proximité. Maintenez une direction A pour... D'accord. En gros, c'est comme dans Zelda. Ah, c'est cool. Est-ce qu'on peut sauter? Non, on peut pas sauter par contre. En combat, on peut pas sauter. Est-ce qui est bien, vous n'êtes pas obligé de spammer la touche pour envoyer vos flèches. Vous pouvez rester appuyé, je viens d'essayer. Je trouve ça cool. Donc terrasser 3 ennemis, donc 2 sur 3, et récupérer 2 éclats de pierre bleue. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc alors on va essayer de trouver des ennemis. Donc vous voyez aussi nos armes. Ils ont une. Comment dire? Ils ont une résistance. Et vous voyez, mon arc en bas, bah, il a la vie verte. Et à force de l'utiliser, bah, au bout d'un moment, ça deviendra rouge. Et puis, je pense qu'au bout d'un moment, il se brisera. Et donc, à ce moment-là, il faudra m'en construire un autre. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un autre ennemi? Ah, j'en vois un là.
Tiens, 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 allez hop. Ah, franchement, j'adore. Mais pourtant, tu voyais, Minecraft, j'aime pas ça, je déteste ça. Et puis, mais ce jeu-là, donc c'est même style. Mais franchement, je trouve ça chouette, je trouve ça cool. Ça fait à peine, allez, je sais pas moi, peut-être entre 5 à 7 minutes, voire bientôt 10. Que j'ai commencé ma vidéo, j'ai à peine joué et puis bah je trouve ça cool quoi, j'aime bien. Donc là on est toujours en train de récupérer deux pierres bleues, il nous en manque une. Alors je sais pas si on peut courir ça par contre. Apparemment on peut récupérer des cerises et tout. Je sais pas si. Ah voilà. C'est cool. On peut peut-être péter un arbre. Hier, yeah, d'accord. Vous voyez, il suffit de couper un arbre pour récupérer des branches. Comme dans le nouveau Zelda, quoi. Franchement, c'est cool. Ouais. J'aimerais bien trouver le dernier ennemi là parce que. Mais je pense, vous voyez, là j'utilise l'arc. Mais je pense que c'est plus. Ça sera. Enfin, ce serait mieux de me fabriquer une hache ou quelque chose comme ça pour couper les arbres, etc. Je pense. Parce que là j'utilise mon arc et du coup, ben ça le. Ça le consomme au niveau de sa vie quoi. Ouais. Ennemi, je veux un ennemi. Je veux un chuchu bleu. Là, ça c'est un chuchu vert là. Donc bien sûr, hein, ça s'appelle pas des chuchus, mais bon, c'est une référence à Zelda, bien sûr, pour ceux qui l'auront compris. Donc là apparemment faut retourner au portail. Donc il y a un ennemi là, je vais en profiter, c'est un oiseau qu'on a tué. Voilà. Hop. Alors, on fait comment? Peut-être Y. Ok. C'est bien, ça nous indique un peu. D'accord. Et ensuite, on fait X. Ok. Ensuite, on va dans notre inventaire, d'accord. On va l'échanger. Donc, on va requitter. Et on va prendre la flèche, comme ça indiqué. Et on va le placer. D'accord. Et donc, il nous en manque un, si j'ai bien compris. Ok. Et puis, c'est bien parce qu'il y a des raccourcis. Donc, pour l'arc, c'est la flèche gauche. Pour les blocs, c'est la flèche haut. Pour me soigner, c'est la flèche du bas et je pense qu'on peut choisir. Donc là, explorer un bloc de pierre en maintenant RT, appuyer dessus, confectionner une pioche en pierre. D'accord, est-ce que je vais plutôt faire ça tout de suite? Je pense que ouais, il y a moyen. Alors attendez que je m'y repère. Tac. Pioche, alors par contre, je crois qu'il me manque une bloc en pierre. Or, attendez, j'ai un peu perdu là. Ouais, je crois que j'ai pas assez, il m'en faut 4. Et j'en ai combien? Je dois peut-être pas en avoir en fait. Ouais, je dois peut-être pas en avoir. Comment qu'on fait? Ah putain. Donc, d'accord, ah, j'ai compris. Ouais, ça se voit que j'ai vraiment, je joue même pas à Minecraft. Je suis sûr ceux qui jouent à Minecraft auront compris dès le début, mais en fait, voilà, il faut simplement
casser les blocs de pierre. Donc, comme j'ai pas d'autres armes, j'utilise mon arc, bien sûr. Voilà, je vais en récolter un maximum. Voilà, je pense que là, j'ai assez pour construire ma pioche en pierre. Donc, on va faire X. Donc, ensuite, on va l'équiper, bien sûr. Elle est là, elle est là. Donc, moi, je vais la déplacer ici. Hop, j'aime bien vraiment trier mes aliments. Moi, quand je joue à un RPG, je veux que ça soit trié. Et ce qui doit être rangé, soit rangé. Voilà. Tac. Hop, donc ensuite placer. Ah, d'accord, là je dois encore faire deux pierres bleues. Donc réparer l'établi cassé en créant son amélioration. Débarrassez-vous des caisses, récupérez le butin des caisses. Ok. Alors là je dois le. D'accord, et là je peux. Voilà, ah cool, parce que j'avais déjà du bois que j'avais utilisé. Donc là, il y a des caisses, on peut casser apparemment. Donc ça aussi. Donc ça, je sais pas pourquoi je peux pas le récupérer. Est-ce que ça. Ah, je suis bête, je vais prendre ça. Voilà. Nickel. Donc si vous entendez du bruit, désolé, c'est ma chaîne qui veut sortir de ma chambre. J'en ai trop, non? Je sais pas. Placez 5 blocs de bois raffinés pour débuter la construction de l'ancienne ferme. Alors on fait comment? Y. Ah voilà, les blocs de bois raffinés. Donc confectionnés. Ok. Donc un de fait, placé, d'accord. Est-ce qu'on peut en faire plusieurs à la fois? D'accord, allez, j'ai compris. Il faudrait s'appuyer. En fait, faut spammer la touche. Voilà. Donc je les ai tous faits. Là, je peux pas en faire plus. Donc, normalement, si je quitte là, placer 5. D'accord, en fait, fallait juste placer comme ça au pif, j'ai l'impression. Ok. Créer une tunique d'éclaireur à l'établi, qui puis voir à nouveau de votre nouvelle tunique d'éclaireur. Ok. Donc on va voir ça. Donc moi je récupère mon arc. Ça je sais pas c'est quoi, je peux pas le récupérer? Ah, à mon avis ça doit être du mana, à mon avis. Alors là, ça me dit de me créer une tunique en bois. J'en ai pas déjà. Donc à mon avis, il me faut du. À mon avis, il me faut du. Du tissu en coton. Comment qu'on fait du tissu en coton? Alors. Tac, je vais prendre. On va essayer. Hein. Je vais casser ça. Ah, d'accord, du coton. Alors, vraiment, désolé pour ceux qui me diront ah, ben, t'es un noob. Parce que ça ressemble vachement à Minecraft. Ah, ben ouais, mais bon, désolé d'être un noob. Moi, je ne joue pas à Minecraft. Donc, voilà. Donc, et puis en même temps, ben, j'apprends à jouer, quoi. Tac 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 tac. On va en faire plein. On va les placer. À chaque fois, je me trompe de touche et on va faire des tuniques. Alors, on va en faire une. D'accord. Je dois d'abord la placer. On va faire celle-là. Hop, placer le chapeau. Placer. Et là, j'en ai pas assez pour faire les autres. C'est pas grave. On va tout de suite, pardon, se l'équiper. Donc, est-ce que ça, c'est pareil? Ouais, c'est pareil. Ça doit être pareil, j'imagine.
Non, c'est pas pareil. Ça, à mon avis, c'est peut-être pareil. Non, c'est pas pareil. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ça se voit au niveau de la forme. Donc, je vais essayer de trier ça. Donc, les blocs avec les blocs. C'est quoi ça? Œuf, ça, c'est des œufs. Donc, je vais les mettre là. C'est quoi ça? Des baies. Donc, des baies, ça, c'est de la nourriture. Je vais les mettre en haut. Résine, ingrédients. Donc, ça, c'est des ingrédients. Divers, divers, divers. Ok. Éclat, donc ça, hop, je vais mettre ça là. Et les armures, je vais me les équiper de toute façon. Donc attendez, je récupère ça. Donc ça c'est quoi? Graines de blé. D'accord. Donc hop, j'en ai pas, mais je vais la déplacer comme ça. Voilà. Donc là, je vais m'équiper, pardon, de ma tunique. Yeah, franchement, j'adore. Stylé, classe. Et les classes. J'ai pris quoi d'autre? Les gants, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Tac, la tête. Et j'ai pris rien d'autre, je crois. Non, ouais, c'est ça. Hey, j'aime bien mon perso. Il est pas mal. J'aime bien. Donc, on va. D'accord. Donc là, il faut toujours mettre deux pierres bleues dans le portail. D'accord, donc les pierres bleues, si je ne dis pas de bêtises, il faut tuer des ennemis. Des chuchus, comme moi je les appelle. Fracasser le trésor pour obtenir votre récompense. Oh, ça, c'est un tour du donjon, d'accord. Pourquoi il me dit d'aller là? À mon avis, j'ai quelque chose de nouveau. D'accord, ah non, oui, je dois les fabriquer. Donc allez, c'est parti. Donc là, on va devoir aller chercher des chuchus. Oh le con. Le con. J'ai survécu. tac. On va taper ça. Hop, on va récupérer des baies. Voilà. Ça, c'est un arbre. Ah, des chuchus. Saute. Je peux pas, je suis obligé de casser, d'accord. Hop, je récupère mon arc tout de suite. Voilà, nickel. Ah, une pierre. C'est parfait. Donc, la pierre. Si j'ai bien compris, on doit la ramener là-bas, je crois. Saute. Allez, saute. Allez, saute. Allez, saute. C'est où? C'est où? C'est où? C'est où? C'est là-bas. Ok. Donc là, vous pouvez vous entraîner. Voilà, quoi. Hop. J'ai perdu le portail. Il est là-bas. Alors, donc là, si j'ai bien compris, je fais Y et je fais collecter. Voilà, là, je peux pas en faire. Hop. Et ensuite, je fais. Merde, j'ai. Comment qu'on fait? Ah, d'accord. Hop, et c'est bon. Là, on le place. Voilà, et là, il faut en mettre encore deux. Donc, moi, ce que je vous propose de faire, je vais finir de mettre les deux autres avec vous, vous voyez. Et je pense qu'après on va s'arrêter là pour la vidéo de découverte. Donc si vous êtes intéressé par le jeu, bah, il est sorti sur la Play, la Xbox et il est déjà sur PC depuis un petit moment. Donc il est à 20 € je crois. Donc en gros 19,99. Voilà. Donc voilà, donc n'hésitez pas hein, si vous intéresse et puis vous avez l'argent pour vous le procurer, bah voilà. Moi je pense que au niveau du prix, ouais, pour moi c'est un petit peu cher je trouve. Mais après voilà quoi, c'est pas excessif non plus quoi.
Donc, et aussi, n'hésitez pas à répondre au sondage que je mettrai directement en début des vidéos si vous voudrez un let's play sur ce jeu. Car oui, en fait, ce n'est pas uniquement juste de l'exploration et tout ça. Il y a des niveaux avec des boss, d'après ce que j'ai compris. Et je pense que le jeu peut envoyer du lourd. Donc voilà. Hop, petite esquive, et hop. Donc là, j'ai récupéré assez de blocs, je pense. Quand je suis vert. Je sais pas si on peut contrer. Donc j'ai pas envie d'essayer n'importe quoi, donc j'essaye pas. Mais voilà. Donc voyons, à chaque fois que vous tuerez des ennemis, votre barre d'expérience montera ainsi que vous gagnerez de l'argent. Hop. Tac. On va aller déposer les blocs. C'est parti. Alors, d'après ce que j'ai compris, je fais Y, je hop, je fais ça, et voilà. Et ensuite, je les prends. C'est bien ça. Non, c'est pas ça. Mon inventaire, il est où? Il est où? Il est là. Voilà, c'est ça. Donc, ça c'est quoi? Champignon. D'accord, ça c'est un champignon. Je vais mettre ça là. Ça, c'est un champignon aussi. Je vais mettre ça là. Et ça, c'est un éclat de bleu de portail que je vais laisser là. Ok. Hop, 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 hop. Je prends ça, je place ça et je mets ça. Une fois la voie de sortie trouvée, pardon, prenez garde à l'envahisseur. Terminez ce qu'il vous reste à faire ici avant de partir. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Je sais pas du tout à combien de minutes on est, pardon. J'ai envie de vous montrer un petit truc, un espèce de petit donjon, et je pense qu'on s'arrêtera là. Donc là, c'est ancienne mine. Une pioche permet d'extraire le minerai plus rapidement. Ok. Non, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Ah voilà, c'est le château. Voilà. Donc juste avant de partir, juste pour vous mettre un petit peu la hype sur le jeu, j'ai envie de dire. J'ai envie de vous montrer un petit boss, j'ai envie de dire, avant d'avoir une récompense. Un peu comme les donjons dans Zelda. Donc voilà. Donc on descend, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Hop. Voilà. On ouvre la porte. Et qu'est-ce qu'il y a? Un ennemi se trouve devant nous. Donc allez, c'est parti. On va l'affronter. Allez, tiens. Hop. Et petite esquive. Hop. Esquive, esquive. Et hop. Hop. Je vais voir un truc. Est-ce qu'on peut tiger? Ah, oh, on peut tiger la pioche. Ah, oh, pas mal. C'est pas mal, hop, tac tac, tac tac tac, allez hop, hé, tu m'auras pas. Ah, franchement, je trouve ce jeu c'est éclatant, c'est amusant. Puis voilà quoi, si vous avez des problèmes perso, je pense que ça peut vous aider à vous changer les idées. Voilà, donc voilà, on a réussi à le vaincre. Donc là à côté, vous voyez, donc vous avez des cœurs, donc pour récupérer des cœurs. Et à droite de l'écran, vous avez les objets que vous avez récupérés. Voilà. Donc là après, vous pouvez tout casser, que ce soit les pots pour récupérer des pierres, etc. Donc je vais tout casser. Et vous verrez, juste après, la porte d'après, on aura une compétence. Une compétence, n'importe quoi, qu'est-ce que je raconte? On aura un trésor, voilà, une récompense, je voulais dire. Hop, voilà. Et c'est parti, on va ouvrir la porte. Et voilà, donc là, il se trouve un coffre. Donc, ancienne salle des trésors, les braves aventuriers qui arrivent jusqu'ici peuvent prendre les trésors qu'ils méritent. Donc voilà, je vais pas l'ouvrir tout de suite.
histoire de garder un petit peu le suspense. Donc voilà, je casse les objets avant. Oh, c'est quoi ça? Ça fait quoi si je casse? Oh, un familier, un rat gris. Donc voilà, ceci, c'est le rat que vous pouvez. Il pourra vous suivre tout simplement. Je vais vous montrer juste après. Donc je pense qu'on est peut-être à une vingtaine de vidéos. Alors comment qu'on fait? Je sais pas, faut peut-être le déplacer. Tac, familier. Ah, pas mal. C'est cool. Et voilà, le petit rat, il est là, il vous suit. C'est cool. Franchement, c'est cool. J'espère plus tard pouvoir avoir des lions, ce genre de truc, des tigres. Franchement, je pense que ça peut être top. Et voilà, on va casser. Et voilà, tâche accomplie. Donc là, on a récolté 3 pierres bleues, un rubis flamboyant, du coton et une pierre de soin légère x2. Donc voilà, c'est plutôt sympa comme récompense, j'ai envie de dire. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, vous voyez. Je vais vous laisser là comme ça. Voilà. Yeah. Donc je vais juste avant, je vais retirer le. Ah d'accord, c'est X. J'avais pas vu c'est X. Vous voyez? Donc il y a à parcourir, X affiché. Donc voilà, c'est ça. Donc voilà. C'est ce que je vous disais en début de vidéo. Voilà. Vous pouvez vous l'équiper, mais en retirant un objet si vous trouvez ça moche. Voilà pour vous. Donc voilà, ben je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo découverte sur ce nouveau jeu qui est sorti hier, je le rappelle, sur la One et PS4, sur 3, 6 et PS3, je n'en sais rien, mais qui est sorti depuis un petit moment sur le PC. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu cette vidéo découverte. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo. Et à vous abonner si bah, vous avez kiffé la vidéo avec moi. Donc pardon, c'est ma manette qui bug. Voilà. Donc n'hésitez pas à répondre au sondage que j'aurais mis au début de la vidéo pour savoir si vous souhaiterez que je fasse un let's play en compagnie de mon frère sur ce jeu. Enfin, moi je kifferais le faire. Et voilà, sur ça, je vous dis merci d'avoir regardé ma vidéo. Ah bah putain, j'arrive plus à parler là, c'est bon. Ça se voit qu'on est le soir et il est minuit 26. Oui, je tourne toujours mes vidéos le soir. Donc amusez-vous bien. Alligato. Gianna.